Et bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai pas trop mal dormi. Bon, j'étais un petit peu réveillé ce matin parce que le spot où je suis à Draguignan, il y a pas mal de passages de voitures. Mais bon, ça, j'ai passé quand même une bonne nuit. Donc aujourd'hui, nous allons voir Draguignan. Je vais vous montrer aussi mon ancien appartement, voilà, où je vivais. Je voulais vous montrer ça. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'était pour vous montrer un petit peu où je vivais avant. Donc voilà, là je me suis habillé déjà, j'ai pris mon petit déj, ben on va pas tarder à sortir gros toutou et puis aller se balader dans la ville. Salut toi! Alors, t'as bien dormi? Oh, coutou-tou. Oh là là! Oh là là, qu'il est beau! Avec son petit pyjama! Cette tête. Oh là là! Ça va, t'as bien dormi? Hein? Bah ouais, super. Ouh là là, ça baille. Ouh là là, bah oui. Allez, c'est parti. Eh bien, donc voici le spot. Parking de Lidl. Mais bon, franchement, cette nuit, j'ai pas été embêté. Hein. Très calme avec le couvre-feu en même temps. Il y a moins de monde quand même. Ah, il a pas mal plu. Cette nuit, mais là ce matin il y a un beau soleil. Et je vais te lâcher pour que tu ailles faire tes petits besoins là-bas. Allez! Là, il y a un terrain vague. Voilà. Donc j'ai dormi ici sur le parking. Et là on va aller se balader après vers la ville qui est là-bas, au centre-ville. Et je vais vous montrer aussi mon ancien appartement. Je sais pas si vous le voyez bien, il y a l'hélicoptère qui est en train de monter. Parce que juste derrière, il y a l'hôpital en fait. Tout à l'heure, je l'avais entendu se poser, et là, il repart. Un magnifique ciel là, c'est très joli. Voilà, on est en train de se rapprocher tout doucement du centre-ville. Vraiment un joli soleil, hein, pareil à cette nuit où ça a vraiment beaucoup plu. On voit encore que le goudron est encore un peu mouillé. Là, il fait vraiment bon là. On est en train de se rapprocher de mon ancien appartement. Donc je vais vous montrer ça. Et voilà, donc j'habitais ici. J'étais au premier étage ici là. Voilà, c'est mon ancien appartement. C'est là où que je vivais avant d'être nomade. Et là nous sommes sur le terrain où je sortais la plupart du temps Falcor. Qui est juste à côté de là où on habitait quoi. On avait quand même un grand terrain à côté, c'était bien ça. C'était pratique. Allez, après on va continuer. Puis on va aller voir le centre-ville. Et là nous avons le skatepark où mes enfants ils aimaient bien faire de la trottinette. Donc je pense que quand ils seront là, on va revenir ici. Ils aimaient bien venir ici, donc je pense que ça leur fera plaisir. Et là on a l'ancienne école de mes enfants. Donc qui déménage. Ça paraît si loin maintenant, tout ça. Et on est en train de se rapprocher du vieux centre.
C'est vraiment des jolis petits trucs qu'il y a. On va essayer de se rapprocher un peu de l'église. Et là, il y a deux petits chats. Mon Falcor les a vus. Pas doucement. On va passer à côté d'eux tout doucement. Il y en a un qui souffle un petit peu. Moi, ils bougent pas trop. Ouais. Mais ils ont pas trop bougé. Ils ont pas trop eu peur de toi, tu vois. Je suis en train de me perdre un petit peu avec toutes ces rues. J'essaie d'atteindre l'église qui est pas très loin, elle est juste là. Je me perds un peu. Je sais pas si je passe à gauche ou à droite. Ouais, bon, on va passer à gauche. On verra bien. Ben non, perdu. Je peux pas passer par là. Il faut que j'aille sur la droite. Ça y est, j'ai enfin trouvé. J'ai trouvé l'entrée. Vraiment très joli. Là, ici, on a un vieux cinéma qui est d'époque, apparemment. L'enseigne qui est très jolie. Donc là, il nous parle des légendes de Draguignan. Et en fait, ça vient de Saint Hermenter qui aurait terrassé un dragon. Voilà. Et là, ils nous disent qu'en 802, il y aurait un dragon qui serait pas très loin de Ampus, dans une forêt. Et il y aurait 9 villageois qui seraient allés chercher Saint Hermenter afin de les aider quoi, pour tuer le dragon. C'est marrant toutes ces légendes. Donc là, il nous explique que sur les 9 villageois, il y en a 3 qui sont morts à cause de l'haleine toxique du dragon. Et donc ensuite, Saint Hermenter, il les a aidés à le tuer, il a réussi à le tuer. Et donc ils ont nommé ce lieu Dragoniam. Là où il est mort, et puis en fait c'est devenu Draguignan quoi. C'est assez sympa ces petites légendes. Falcor est en train de profiter encore un peu de la nature. On est revenu au parc, enfin au terrain. Il y a un petit peu de vent encore aujourd'hui là, mais ça va. Hein. Ils avaient annoncé ça, ils avaient annoncé du vent, mais franchement il fait pas froid. Là, je suis en pull, c'est impeccable. Et ce soir je suis invité chez une amie, donc je pense qu'on va prendre l'apéro, peut-être qu'on va manger ensemble, je sais pas trop encore. Donc alors, on va passer une petite soirée entre amis. Là c'est le début de la richesse. On a encore une deuxième. Et si je continue comme ça, je vais être riche. Alors, est-ce qu'il y en a encore d'autres? Peut-être un petit billet. Voilà, on est de retour au camping-car. Il fait super chaud à l'intérieur. On a 18, 17, 18. Donc, c'est super agréable. Voilà, j'espère que cette petite balade dans Draguignan vous aura plu, comme ça vous aura permis de voir là où j'habitais avant, le petit coin que je connaissais quoi. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.